Bon, les amis, je vous avais dit que je venais sur Paris pour... on enlève le produit. Elle est très préparée. Je suis carrément en stress. Mais voilà, elle va me refaire le visage. Par contre, quand vous venez à la consultation, vous allez voir. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, on va enlever le produit. Je vais rester comme ça un mois. Un mois sans produit dans les lèvres. Et après, on va refaire... Elle va refaire tout correctement, nickel. Pas que le produit... Parce que là, le produit migre. Voilà, il a migré. Tout là, donc ça fait vraiment la bouche de canard. Et voilà, donc je vais vous donner tout, l'Instagram, je vais tout vous dire, le avant, le après. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, elle vient de m'enlever tout le produit, donc c'est pour ça que je suis gonflée, c'est normal. Donc voilà, elle a enlevé tout le produit, on a enlevé aussi sous les yeux et sur le nez. Je vais pas vous cacher que le nez, ça fait mal. Les lèvres, ça fait mal, mais c'est supportable. Donc, le résultat, maintenant, je vais rester un mois sans rien du tout. Donc, c'est normal que je gonfle. En tout cas, c'est la meilleure. Sincèrement, voilà. Elle est très gentille. Il y a aussi son assistante qui est à côté qui est très gentille. Donc, je vais vous donner les coordonnées pour les personnes pour la France, la Suisse aussi. Ils vont aller en Belgique. Donc, je vais tout vous donner, les amis. Voilà. Elle est très gentille. Et franchement, je suis trop contente. Maintenant, je me réjouis un mois après de la revoir pour finaliser tout ça. Ça. Je viens de sortir, heureusement qu'il y a le masque, hein. Voilà, parce que je suis un petit peu gonflée quand même, mais c'est normal. J'ai retrouvé mon petit Xavier, voilà, nous allons manger un petit morceau avant que je rentre à la maison. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis sur Instagram, ils recherchent pour demain, parce qu'ils ont une masterclass demain. Donc la docteure recherche des modèles, et donc je vais vous mettre l'Instagram de la personne qui s'occupe en français. Donc si vous êtes intéressés les filles, voilà c'est à Paris, donc ils recherchent des modèles pour demain, pour la masterclass et ils font à moins 50%, voilà les amis. Je suis rentrée à la maison, oui effectivement voilà, de ce côté-là, je suis bleue, pas mal de questions par rapport à ça, est-ce que ça fait mal pour enlever le produit dans les lèvres? Alors sincèrement, je vais vous dire la vérité, oui ça fait mal, on le sent passer, voilà, on le sent passer, c'est pas agréable du tout, voilà. Donc, mais je suis quand même contente d'être passée donc, par cette case d'enlever parce que le produit en fait était monté jusque là. Donc elle a tout enlevé. Je pensais que j'étais contente en fait de mes cernes que j'ai fait il y a 2 ans. Et en fait, elle m'a clairement montré que le produit aussi c'était parti. Enfin bref. Donc elle a enlevé aussi le reste de produit qui me restait donc en dessous des yeux que j'avais fait pour les cernes. Donc là, je vais rester comme ça. Pendant un mois et après donc on va refaire les petites retouches des yeux etc. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit les amis, elle va bientôt venir donc à Bruxelles et à Liège, donc je vous donnerai donc les infos si ça vous intéresse. Voilà, il y a énormément de monde pour le moment qui enlève les grosses bouches etc. Donc bon voilà, je suis contente d'être passée donc par cette case là et voilà.